Donc le but de la journée, enfin de ce voyage, est de rallier Épizy à Melun en passant au-dessus de la Seine. En particulier ici. Et ici, on a fait des randonnées récemment. On vérifie les gouvernes. L'aérodrome de Moret. Alors, nous avons la forêt de Fontainebleau à gauche, le Loing en dessous. On voit ici l'aérodrome. Moret-sur-Loing, c'est juste là. Moret-sur-Loing est juste dessous à gauche. Donc le but du jeu, c'est de suivre ce cheminement. En étant à l'extérieur du cockpit, c'est pas facile. Alors, Moret-sur-Loing à gauche, Fontainebleau, également dans le prolongement de l'aile. Alors, à l'heure du simulateur, il est 9h30, 10h. Donc par ici on a le pont là. Est-ce qu'on a de beau un petit musée ici? La vieille ville en fait elle est toute par là. Et donc ça a été en crue là cette année ici. En principe cette ville là c'est Champagne-sur-Seine. Et là c'est le village de Thomery. Il est allé balader tout récemment. Ouais, on reconnaît le champ là avec son petit arbre, sa vie de l'arbre. Et ensuite, donc on a traversé, on est passé derrière, par ici là, et là-dessous il y a un magnifique sentier à parcourir. En gros, par ici là, par là, jusqu'à Samoro qui se trouve là. Là, c'est la ville de Fontainebleau. La gare de Fontainebleau avant est juste par ici. Alors là, on doit avoir le château de Fontainebleau quelque part par là avec ce grand parc. La ville de Samoro, ici. Et Vulaine par là, il y a une gare. Tiens, ben on voit la ligne de chemin de fer. Ah, c'est ça, c'est le château de Fontainebleau là-bas.
très rapide en avion, très très rapide. On distingue le château, hein. Juste par là. Donc on était ici hier, Samois-sur-Seine. Donc là il y a une petite île avec une statue juste par là de Django Reinhardt. Il y a vécu quelques années et tous les ans il y a un festival. Donc, par ici en dessous, là il y a le GR. Donc on peut le voir là, les ponts sur la Seine, il n'y en a pas des tonnes. Hein. Donc quand on marche, il faut bien savoir où ils sont si on veut franchir la rivière. On n'a jamais marché de ce côté là, et pour cause. Donc voilà, hier on était ici, on a marché tout ça là-dessous. Tout bien le sentier qu'on voit là. Ici c'est Bois-le-Roi. À une époque on pouvait randonner par là. Il y avait un chemin là qui passait et qui longeait toutes les propriétés. Mais ça fait quelques temps. Enfin, la dernière fois qu'on y avait été, c'était plus tellement accessible. Pour une raison pas tout à fait déterminée. Ce qui est bien dommage. En fait, en gros, on peut passer par là maintenant. On l'a fait une fois, mais c'est pas vraiment intéressant. Donc là, un des fameux ponts. Et ça, ici, c'est la base régionale de loisirs. On y était hier. On était juste là. Bon ben ça fonctionne hein, même sans pilote automatique. Hein. Là pour la petite histoire il y a un terrain de golf ici là et là il y avait des... Je sais pas comment on appelle ça, les golfeurs peuvent s'amuser à tirer ici là 50, 100 mètres. Il y en a qui faisaient ça là, pour s'entraîner. Un système d'écluse de mémoire, en tout cas on peut voir les... Où est-ce qu'elle est cette écluse? Ouais, il doit être par là, oui ça doit être ça, oui. Et là on a le pont. Donc là, tout ça c'est Bois-le-Roi. Hier on a marché dans la forêt, on est arrivé quelque part par là, on a fait le tour là, ici, jusqu'à la base de loisirs. Voilà, il y a moins de déformation là. C'est plus sympa. Ah là, le golf. Donc, Bois-le-Roi, le pont, il y a une gare par ici. Et tout ça, c'est la massif de Fontainebleau. Moins de déformation, mais j'ai moins d'angle, donc je vois moins bien. Je suis pas en météo réel, là. Là on va dévier, on passe au-dessus de Melun. Tout ça c'est Melun là ici. Quelque part à droite on a Vaux-le-Vicomte. Et vers le nord au fond là-bas il y a Paris bien sûr. Et pas loin on a là, l'aérodrome. Donc on est supposé arriver pendant comme ça, ici. Ce que je vais faire pour l'occasion. Enfin, essayer de faire. A priori, c'est ça. Allez. Allez, 90 nœuds.
0, 2500 pieds. On est loin des 1200 pieds, 1300 pieds. Pieds d'altitude cible. Intéressant. Donc trop vite, trop haut. Gentiment. Allez, on va visiter un petit peu. Puis on est sur un axe d'une piste, un rond. Celle qui fait nord-sud, grosso modo. Allez, on coupe. Vite. Station d'avitaillement, des avions. Allez, dépêche-toi un peu. Bon, on arrête la machine. Un petit peu. Non. Je connais pas. Ça, c'est le mot, c'est écrit dessus. Si je passe en transposition. C'est amusant ça. Fin de vol. Au revoir.